Ça, c'est le filet d'une oie sauvage, sur le barbecue, juste après avoir tué le matin même, à la chasse, avec mon chien. Mais avant ça, j'ai dû aller au marais avant que le soleil ne se lève. Et à la base, je voulais chasser le canard, alors j'ai mis mes aplans et mes formes. Et très vite, je me suis rendu compte que les oies volaient à l'inverse des canards. Alors je me suis dit que peut-être j'aurais la chance d'en tirer. Dans tous les cas, moi et mon chien étions prêts. Il a pas fallu longtemps pour qu'un vol d'oie passe juste au-dessus de moi. J'ai pris mon temps pour viser, j'ai tiré, et l'oie que je visais est tombée. Mon chien s'est alors jeté à l'eau pour me la rapporter, et ça, elle adore, parce qu'un chien est naturellement fait pour chasser. Du coup, on est rentré à la maison pour manger l'oie. J'ai découpé les cuisses et les filets de l'oie, puis j'ai allumé le barbecue, j'ai épluché des pommes de terre de mon potager pour faire des frites maison. J'ai mis le filet d'oie sur le barbecue, et après quelques minutes, c'était prêt. Et devine quoi, c'était super bon. Non pas parce que c'était bien cuisiné, mais parce que j'ai tout fait de A à Z. Et ce goût de l'effort, si tu chasses pas, tu le connaîtras jamais dans ton assiette. En tout cas, moi je le connais.